Clameur, en fait, est un cycle de rencontres littéraires et on tient vraiment à cette appellation de rencontre. Nous ne sommes pas du tout dans une configuration de salon du livre où les auteurs viennent uniquement pour dédicacer leur dernier ouvrage. Nous, nous leur offrons un espace de parole et ils s'entretiennent entre eux avec les spectateurs présents. Nous sommes vraiment dans un moment de partage et d'échange. J'adore ce thème, les mots à la bouche, parce que la bouche, ça sert à dire les mots, mais ça sert aussi à les goûter. Un mot qui n'est pas goûté n'est pas un mot digne de la page blanche. J'aime beaucoup cette idée de goûter ces mots, de les mettre de manière la plus sensuelle sur une feuille, c'est-à-dire de celui qui est en face de vous devienne dingue. Au bout d'un moment, il a envie de passer à table. Soit réellement que la littérature est un excellent prisme de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Donc c'est surtout voilà, offrir un espace d'écoute, d'échange et de pause en fait. Clameur, c'est effectivement durant tout le week-end des rencontres littéraires, mais c'est aussi le samedi un marché des éditeurs Place François Rude qui invite une vingtaine de maisons d'édition de toute la région. Le principal intérêt, c'est de pouvoir aller à la rencontre d'un public qui par ailleurs se promène dans la rue. Pour nous, c'est une opportunité de présenter nos livres, de rencontrer des amateurs de littérature, mais aussi parfois des auteurs qui sont à la recherche d'un éditeur. Cette manifestation, on l'a construite tout au long de l'année avec la directrice littéraire Marie-Hélène Freissé, mais aussi avec les équipes des bibliothèques. Et que ce soit les bibliothèques qui soient voilà, à la manœuvre dans cette histoire, c'est un grand moment pour elles, c'est un grand moment pour nous. Et on est heureux que chaque année, le public ne fasse qu'augmenter. Pour nous, c'est un joli pari réussi. Voilà. Venez écouter ces merveilleux écrivains. Donc, qui font le voyage jusqu'à Dijon, qui parfois sont tout près de Dijon, mais aussi certains viennent de très loin. Venez partager, venez poser des questions, échanger, acheter des livres, discuter lors des signatures et être dans ce cercle d'amitié et de passion qu'est Clameur.